Allez, la musique stop. Et on enregistre la vidéo. Parfait. Alors bonjour à tous. C'est Tactica Chroma. Je suis très content de vous retrouver pour ce 46e let's play sur Final Fantasy Tactics Advance 1. C'est dimanche matin. Donc si vous regardez ce live, je vous souhaite un excellent dimanche. Personnellement, je me suis fait un petit café. Un petit café sucré avec du sucre vanillé. Et ça paraît un peu bizarre, mais j'adore ça. Je trouve ça vraiment super bon. C'est bien, Tactica Chroma, on s'en fout. On voit le jeu. Et non. Alors aujourd'hui, c'est un let's play un peu particulier, les amis, parce que c'est un let's play où on va farmer. On va faire le point un peu sur. Les équipements que l'on a sur notre équipe, voilà, est-ce qu'on va garder cette équipe-là? Est-ce qu'on va. Voilà, j'ai réfléchi depuis hier, j'y ai réfléchi. Et voilà, il y a des choses qu'on va garder, d'autres non. Enfin, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Donc évidemment, hein, si mes let's play sur Final Fantasy Tactical Advance 21, enfin que vous êtes tombé dessus. En cherchant sur Twitch, j'allais dire sur Switch, non, sur Twitch, et que ça vous intéresse évidemment, hein, allez faire un tour sur ma chaîne YouTube, pas de problème. Alors, déjà, on va faire le point sur notre équipement parce qu'on a beaucoup d'équipements, mais finalement, je suis sûr qu'il y a des choses à côté desquelles je suis passé. Et voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, on est où là? Cadeau, voilà. Il y a un truc qui me stresse là. Alors, les stocks sont complètement vides. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Donc, ah, voilà ça. On va en prendre un hein, parce que j'en ai besoin pour comparer. Ça pour nos mages, ça pourrait être extrêmement intéressant. Allez. Donc l'équipement. Alors déjà, on va voir un petit peu ce qu'on a comme casque. Donc, casque de fer, teuton, noble, le diamant, le diadème, le ruban, les melons de plumes, ça on s'en fiche, les bandeaux, coiffe, barrette, la barrette, ça. Ça file beaucoup, quand même beaucoup de résistance magique. Hein. C'est très intéressant. J'avais pas fait attention à ça. Coiffe de voleur. Et la tiare, évidemment. Hein, 20 de résistance magique. C'est extrêmement intéressant. Ok. Alors, niveau cuirasse. Plastron carabine. Ok. Domination. D'accord. Plastron miroir, ça aussi. Bon. Ça file boomerang. Boomerang, oui, c'est intéressant. Boomerang, c'est très intéressant. Seulement, le problème, c'est que on peut pas se soigner, quoi. C'est-à-dire, si vous faites un soin sur un mec qui a boomerang, ça renvoie le soin, quoi. Donc, c'est dommage, hein. Plastron dragon, oui, c'est cool parce que ça réduit par deux la. Comment ça s'appelle? Le feu. Donc, c'est intéressant aussi. La Code Genji, alors la Code Genji, c'est hein, c'est très 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 intéressant le Code Genji parce que ça, vous voyez, hein, ça file énormément de défense et de résistance magie. C'est sympa. La Maximilien, c'est pareil, c'est une très bonne armure. La Code Materia, voilà, hein, ça on commence à rentrer dans le. Ok. Buste Minerva, je sais pas ce que ça fait ça. Annule, Obscur, c'est sympa, c'est cool. Tu Ninja, hein, c'est sympa aussi. Ok, j'ai les mirages, le buste d'ivoire, qui est excellente, c'est très fort. Hein. Chasuble, beaucoup de résistance magique. Ça file rien, ça en particulier. Hein. C'est pas, ça ajoute la classe, mais c'est pas bon, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. Bon, les toges, évidemment, on connaît. Voilà, toge de foudre, toge de feu, voilà, tout ça, ça c'est des toges que j'ai pas assez utilisées. Pourtant, hein, c'est quand même sympa. La toge noire, voilà, j'avais pas fait attention. Toge de lumière. Demi-PM. Vous divisez par deux les PM que vous utilisez. C'est cool. C'est cool. Toge rouge, ok. Cap du néant. Bon, allez. Les armes maintenant. Épée de mithril. Alors, on va en profiter aussi pour faire apprendre des combos à des personnages qui n'en ont pas encore. Je sais que Dater, par exemple, il n'en a pas encore. Donc on va lui en donner. Mula, il a pas de combo. C'est dommage parce que pourtant Mula, il peut, ça serait intéressant sur lui. Voilà, faut pas l'oublier ça. Putain, 65 quoi, c'est fou, c'est très puissant.
Ok. Lame fantôme. Oh là 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 là, ça c'est. C'est extrêmement puissant ça aussi. Hein. Ça a une double lame sur, sur Clément. Hein, c'est cool. Hein. D'accord. Là, ça, c'est, il est fort ce sabre aussi. Hein. J'avais pas fait attention. Sabre de Mitri, ben voilà, Gritter. On va le faire passer mage bleu. Et on va lui donner le combo mage bleu. Voilà, comme ça. Bon, hein, ça sera sympa. En épée à deux mains, on a quoi là? Est-ce que j'avais trié? C'est bizarre parce qu'il me semble qu'il y avait une épée. Challenge, ok. Sanson, d'accord. La Vajra qui est très 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 forte aussi. Épée bestiale, je sais même pas ce que ça fait ça. Ok, alors je. D'accord. Ça apprend rien en particulier. Bon, c'est puissant quand même. Hein. 50 d'attaque, hein, c'est cool. Hein. Ouh. Oh, comment c'est fort ça! C'est puissant, hein. Épée fabriquée lors d'une éclipse. Large à deux mains. Donc ça c'est pour les guerriers et les sentinelles. Hein. Waouh quoi. 76 d'attaque, c'est extrêmement fort. Hein. J'avais pas vu ça comme ça. D'accord. Ok, le récal qui est pas équipé, mais c'est normal hein, parce que la brise épée. D'accord. Ok, en rapière. En rapière, on a des trucs cool aussi. Hein. On a Madju évidemment. Sorcellerie hein, pour eux. D'accord. Ok. Madeline, on va la refaire passer Brother aussi. Hein, ça, j'y pense là, mais. Ok. En cross, on a quoi? Cross Avril. Marchim, tiens, je connaissais pas. Voilà, Auréole. Ça, c'est cool aussi. D'accord. D'accord, H2O. Dissipation aussi, c'est sympa. Dissipation. Là, puisqu'on approche de la fin du jeu, Théodoric, on va commencer. À lui faire faire. À lui apprendre 2-3 trucs en évêque aussi, hein, parce que c'est sympa. D'accord, il y a un sceptre hérétique là, le sceptre Thor, le sceptre de glace aussi. Stop. Alors, stop, c'est cool, hein. Stop sur un mage du temps, le mec il bouge plus quoi. Stop, il bouge plus. Donc, hein, c'est sympa, hein. D'accord, sceptre étoile, le sceptre hérétique aussi, hein, ouf. Voilà, 22 puissance magique, c'est très puissant. D'accord. Alors, qu'est-ce qui m'expliquait? Sceptre occulte. D'accord. Ça prend rien de particulier. Ça période. Alors. Une K. What the fuck? Ça permet de se déplacer d'une case. Ça fait sauter d'une case plus haut. Ça donne de l'esquive. Ça donne un peu de. Bon, l'attaque, on s'en fout. Un peu de défense. Un peu de magique pouvoir. Un peu de résistance magique. Un peu de vitesse. C'est sympa ça. Hein. Waouh. Putain, c'est. Putain, c'est fort ça. Hein. D'accord. D'accord. Ok. Mass Lotus, voilà, pour Max Autumnium. Je vais y arriver. D'accord. Mass Zeus, ça c'est pour Ultima Kick. Hein. Ok. Fulgurance aussi, c'est sympa. L'arc Mithril, ouais, ok. L'arc spécial. D'accord. Ouf, ça c'est fort aussi. Hein. Ok. Big Banga, d'accord. Ok. Griffcha, ça c'est sympa aussi. Hein. Chakra, c'est cool. Hein. Survivor, c'est cool aussi. Hein. Ranimé, c'est puissant. Hein. Alors, signe divin, je crois que c'est comme dissipation en fait. Ça permet d'enlever des. Des altérations bénéfiques sur des ennemis. Excusez-moi. J'aurais dû couper le micro. Pas grave. Ok. God Hand, ça c'est cool aussi. Là, Elest au point, c'est cool. Flutter, c'est sympa aussi, d'accord. Cohérence. Alors ça. Ça, j'avais pas fait gaffe. Cohérence, en fait, ça augmente la précision des sorts. C'est très fort. C'est très puissant. D'accord. En bouclier, je crois que voilà. Van Genji. Allez. D'accord. Ça, et donc. Donc, on avait vu les gantelets d'ivoire. Hein, qui sont, c'est très fort, hein, les gantelets d'ivoire. 5 d'esquive, hein, c'est cool. D'accord. Et le brassard étoile. Le brassard étoile, hein, c'est du lourd aussi. Hein. Ça annule quoi, ça?
Stop et Somni. Ok. Alors du coup, Clément, lui, il est spadassin. D'accord? Et là, c'est au point, je pense qu'il a... Voilà, il a appris. Ok. Alors, Clément... Non, spadassin, il est bien là. On va le laisser comme ça. Par contre, on va pas lui laisser cette arme. On va lui laisser autre chose. C'est où? Il est parti en mission. Hein. Dommage. Son épée là, ça, on va lui retirer Hardy. On va lui mettre autre chose. Voilà. Bon, Rosetta, on peut pas. Voilà, pour l'instant, on est un peu bloqué entre guillemets parce que il faut qu'elle apprenne sorcellerie. Une fois qu'elle apprendra sorcellerie, on pourra lui apprendre autre chose. Sautel, il est en train d'apprendre Maxotomnium. Donc c'est très puissant Maxotomnium. Donc voilà. Après la torche de lumière, c'est pas nécessaire de lui mettre ça. On va essayer de lui mettre autre chose. Le buste d'ivoire, par exemple. Voilà. Très bien. Il est bien comme ça. Bouclier de flamme. Moi, j'ai bien envie de lui mettre ça là. Voilà, c'est bien mieux ça. Ok. D'accord. Alors, Stance, il apprend quoi en ce moment? Brasier X. Ok. Donc, il va apprendre Brasier X. Il va apprendre aussi Foudre X et Glacier X. Et après, on le refera passer Chronomancien. Ok. Kif, il apprend vol capacité pour l'instant. Vol arme, voilà. Vol capacité et vol arme. Voilà. Après, on le fera passer voilà, ninja ou soldat aussi. Hein, pourquoi pas. Hein. D'accord. Mon blanc, il apprend quoi lui? Il apprend turbo. D'accord. Après, on va lui faire apprendre stop aussi parce que c'est très puissant stop. Ok. Niveau équipement, il a quoi? Un broche scarabée, on va le retirer. Hein. C'est pas, hein, on va plutôt lui prendre quelque chose qui va lui augmenter ça, le bracelet étoile. Là. Ça coûte 15 000, mais franchement, on s'en fiche quoi. Hein. 15 000, ça va, c'est rien quoi. Vous avez tout le pèse qu'on a, franchement, aucun problème quoi. Allez. C'est bien de réorganiser son équipe comme ça, parce que on va en avoir besoin de ça. Franchement, on va en avoir besoin. Ok. Ça, la barrette en or. Non, si, c'est pas mal. C'est pas mal, peut-être. Allez, on le laisse comme ça. C'est vrai qu'il a une puissance magique qui est plus faible que les autres. En revanche, il a une excellente résistance magique, quoi. Mon blanc, c'est vrai que pendant le tournoi des mages, il n'a pas été, il a pas fait très mal. En revanche, voilà, il a été, il résiste beaucoup, quoi. Ça, c'est sympa. Soit là, alors soit là. Normalement, il est en train d'apprendre turbo. Voilà. Une fois qu'il apprendra turbo, il est bien comme ça, hein, soit là. Même s'il a que de la magie du temps. C'est pas grave, hein, vraiment c'est pas grave. Une fois qu'il aura pris toute la magie du temps, genre turbo et booster, on le fera passer mage noir ou mage blanc, quelque chose qui, voilà. Parce que hein, 319 de résistance magique, quoi, c'est énorme, hein, 319 de pouvoir magique, c'est très puissant. Hein. On peut faire mieux encore, hein. On peut encore faire mieux. On va enlever ça, ce truc-là qui est pas super, on va lui mettre autre chose, hein. Torche foudre, torche de feu. Allez, la torche blanche. On va lui mettre aussi, à lui aussi, on va lui mettre. On va pas lui mettre la bague magique, on va lui mettre autre chose. On va lui mettre l'espèce le bracelet étoile. Là. Voilà. Il est où? Il est là. Voilà, c'est pas mal. Mais on peut faire encore mieux. Hein, on peut faire encore mieux. Je suis sûr qu'on peut faire encore mieux. Non. Non, là, ça va comme ça. Ok. Il est bien comme ça. Alors, Typhon. Typhon, nous, notre but, c'est de la faire passer. Assassin, d'accord. Donc pour l'instant,
Bon, il faut qu'elle reste, encore fantassin, mais elle changera. Bientôt, elle changera, on la fera passer assassin. Dater. Alors, Dater, lui, il est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de le... Dater, voilà. Si Dater, on va le faire passer match bleu et on va lui faire apprendre le combo, là. Voilà, on va lui faire apprendre combo. Voilà, ça sera pas inutile. Alors. Chasse jubile, voilà, ça c'est bien ça. Ok. Là. Ça là. Le sabre maîtrise. Ok. Bouclier, non, il n'a pas besoin. Alors, on va lui mettre sur tout ça. On va lui mettre. Voilà, on va le farcir d'accessoires. Hein. Ça, les gants Genji, évidemment. Et ouais, voilà, les bracelets magiques. Allez. La bague magique, par contre. Magie blanche. Il est très bien comme ça, Dater. On va lui mettre le combo là. Alors ça fait quoi ça? Portée moyenne. Ah, ça a de la portée. Donc c'est sympa, je savais pas. Ok. Alors Madeline. On va la faire passer brotteur un peu. J'ai envie qu'elle redevienne brotteur. Il me faut du corps à corps là. D'accord. On va la laisser comme ça. On va lui mettre. Elle a pas le ruban, c'est dommage. Pourquoi elle a pas le ruban? Ah, c'est Rosetta qui a l'autre. Ok. On va lui mettre le diadème. Ok. On va lui mettre aussi la tenue ninja parce que comme ça elle aura encore plus d'esquive. On va lui mettre une belle rapière, celle-là là. Celle-là, elle est cool. La Last Later, c'est encore mieux. Ok. On va lui mettre un bouclier Genji. Hein, elle passe à 75 d'esquive, quoi. C'est monstrueux. Hein. Et enfin, les bottes. Voilà. Là, elle est très bien. Objet. Viser. Parce que comme ça, elle aura stock. Défenseur. J'aimerais bien qu'elle apprenne autre chose. Bon, c'est pas grave, je vais réfléchir. Mula, lui, je veux qu'il passe guerrier. Parce que je veux qu'il apprenne le combo. Il a pas de, c'est le seul qui n'a pas, un des seuls qui n'a pas de combo aussi. Alors, c'est un guerrier. Donc, il faut de l'attaque à lui. Hein. Le bandeau, la Maximilienne, voilà, ça. L'épée mitril pour qu'il puisse faire des combos. Il a double main, donc on s'en fiche. Ça, parce qu'il faut qu'il cavale un petit peu. Et on va lui mettre les gants Genji. Voilà, il est très bien, là, comme ça. D'accord, on va lui mettre. Combo combat. Technique de combat, objet, contre-coup, double main et combat. Parfait, non, il est très bien comme ça. Alors, Gelato. Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre? Lui, normalement, il est en train d'apprendre pure laine. Voilà. Alors, lui, on va lui faire faire un peu animiste, un peu voleur. Un peu animiste, un peu voleur. Un peu animiste, un peu voleur. Voilà, comme ça il va. Il aura des statistiques moyennes. Mais voilà, il sera cool. Franchement, il sera cool. D'accord. Ok. Allez, du coup, maintenant qu'on s'est préparé, on va sauvegarder déjà. Ok. Est-ce qu'il y a un clan qui est en guerre? Est-ce qu'il y a une zone qui est en guerre? Il faut tuer encore un ennemi et un combat. D'accord. Zone de combat. Zone de clan, pardon. Voilà, il y a la rivière en haut qui s'est fait attaquer. Ok. D'accord. Alors avant d'y aller, on va voir s'il y a des quêtes qu'on peut pas lancer aussi. Parce que là, c'est le moment de faire apprendre des PC ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des rumeurs? Nine, il n'y en a pas. Ok. Alors, les missions, qu'est-ce que tu proposes? Grotte 2, machin. Le monstre déteste les fleurs de la grotte 1, vous voulez pas... Ah oui, c'est celle que... On l'avait déjà réussi, celle-là. D'accord. Et on l'avait déjà réussi, seulement on l'avait perdu, parce qu'on avait mis trop de temps pour y aller. On va envoyer... Gelato, tiens. Ouais, Gelato, il va faire ding-ding avec sa cloche là-bas. On va lui mettre les dés explosifs, et il va y aller, comme ça, il aura un peu plus d'attaque. Je suppose, hein, après... D'accord. Cette nuit. Mon maître m'a demandé de tourner sa potion pendant 7 jours et 7 nuits. Quel ennui. Vous voulez pas me remplacer?
Le champi des CAD. Ça, on en a besoin pour faire une quête. Les vieux billets, on en a pas, c'est con. Pour la dame, on a volé une grosse somme de Gilles au baron Yana. Ça devait servir à payer les médicaments de Lady Tiana. Quelle tristesse, colporteur d'infos, d'accord. Une aile de fée, deux combats. Les Gilles volés, on les a, hein, les Gilles volés. D'accord. Quoi ? D'accord, j'étais persuadé qu'on les avait. Fiable fée. Mes collègues se tuent à la tâche. Vous pouvez leur apporter des ailes de fée. Ah bah ouais, ailes de fée, ok. Alors, du coup, on peut pas. Alliage de machin. Adamantite et Mithril. Ah oh, oui, putain, on a les deux. Ça, c'est cool, ça. Alors, qui c'est qui va y aller? Allez, Dater, tu y vas. 15 jours. Allez, bon courage, mec. La poudrière. Ah oui, la poudrière, il faut envoyer un artilleur. Frisson. Un maudit esprit frappeur m'empêche de dormir. Vous pourriez pas m'en débarrasser? Citoyen insomniaque. Oh, le contre-imbat, tiens. D'accord, c'est cool. C'est cool. Eh bien, on va envoyer quelqu'un. Qui c'est qui va y aller? Rosetta n'a pas envie, hein. Sautel. Kiff, il est chaud. Soit là, il n'y a pas envie. Sautel, il est chaud. Allez, Sautel, tu y vas. Bon courage, mec. 20 jours. Allez, bonne chance. Sécheresse, ouais, sécheresse. Ah oui, il faut que je regarde. Ouais, voilà, j'ai volé. Ils sont là, j'ai volé. Sécheresse, on avait envoyé quelqu'un, mais on s'était planté. Je vais voir s'il faut envoyer une unité en particulier. Alors, faut que je regarde sur le site officiel, hein, parce que... Ouh, le tricheur! Mais quel tricheur, ce Tactica Chroma, franchement. Ça se fait pas. Ok, on a perdu, c'est pas ça. Alors, il est où le coquin? Frisson, peine de pain, c'est pas ça. Allez. Vous allez voir qu'avec le bol que j'ai, ce sera la dernière, quoi. Même pas. Peut-être qu'en faisant contrôle F, je sais pas. Sécheresse. Sécheresse. D'accord. On va faire mieux que ça. FTA. FTA. Sécheresse. Ah, ça y est, putain, finalement, c'est ça que j'aurais dû faire, quoi. Allez, voilà, il faut envoyer un voleur. D'accord, et bien, on va envoyer Dater, hein. Dater. On va envoyer Kif. Voilà, seulement ça, c'est pas précisé dans la quête. C'est dommage, hein, franchement, c'est dommage, quoi. 20 jours. C'est pas marqué, regardez, là. C'est pas marqué, il faut le deviner, quoi. C'est un peu bizarre. Hein. Visite de Kandouan. Alors, le tournoi des mages de Kandouan va bientôt commencer. La compétition est répartie par niveau. Un combat. Il faut envoyer un mage noir. Eh ben, Stan, tu veux pas y aller? Il est pas chaud, hein. Il est pas chaud. Non, ben, tant pis. C'est pas pour cette fois, là. D'accord. Quête de métal. Ça, c'est pour Link, ça. Allez, Typhon, tu y vas. D'accord. Ok. Une petite sauvegarde. Très bien. Donc là, on va s'entraîner. En fait, on va faire des combats. Mais le but, ça sera de s'entraîner, hein, je rappelle.
Épée large, imitée et sabre. On est bien là. On est bien. Tant qu'on est à Kandoa, on va aller voir s'il n'y a pas des petites cartes qui pourraient nous intéresser, ça. Parce que franchement, ça serait sympa. Tu veux connaître les dernières nouvelles, vu qu'il y a moins de machin, les cartes état sont pas chères. D'accord, depuis peu, le prix des cartes rares monte beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes? Sacré, ça m'intéresse. Régénère, ça m'intéresse. Débusquer, ça m'intéresse pas. Technique, ça m'intéresse pas. Sabre non plus. Invocation, pourquoi pas. Allez. Mec, franchement, sacré, ça m'intéresse, quoi. On la prend. Aptitude, on s'en fout. Technique aussi. Allez, vendu. Régénère, ça m'intéresse aussi. Non, pas magie de couleur. Magie de couleur, on les garde, hein, c'est beaucoup trop important. Galanterie, on s'en fout à la limite. Feu, on s'en fout aussi. Collaboration, on va garder. Attaquer, on les garde. Groupe ciblé, on s'en fout aussi de ça. Épée noble aussi, c'est pas très grave. Hein. On peut les vendre, voilà. Très bien. Qu'est-ce que t'as d'autre? Allez, c'est pas mal. Donc, il faut y aller comme ça. Seulement, j'y vais comme ça, mais il y a de fortes chances qu'on tombe sur un clan. Même pas, putain, on a du bol. Hein. Allez, Salika est en guerre. Salika est en guerre. État, magie de couleur volée. D'accord, ça c'est un peu chiant, quoi. Mais c'est pas grave, les magies de couleur, on a des cartes hein, pour ça. Donc je note sur un bout de papier. Parce que ça c'est des quêtes qui nous rapportent 80 PC quoi, donc il faut les faire. Hein. Salika. Très bien. Allez, c'est parti. Donc là l'idée c'est de se faire beaucoup d'XP. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre Clément, qui est le plus HL. On va prendre des unités aussi qui sont capables de soigner ou d'utiliser des interactions sur Clément. Comme ça, et on va gagner beaucoup d'XP. Mula, par exemple, il vient avec nous, lui, c'est obligatoire. Madeline, c'est pas... quelqu'un qui est un peu... Rosetta va venir avec nous, comme ça, elle va nous soigner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Madeline, ouais, là, tu viens avec nous. Ouais, c'est pas mal. Bon, on n'a pas le droit d'imiter, et on n'a pas le droit de... Alors, c'est sabre... Épée large et imitée. Hein. Voilà, donc Madeline, déjà, d'entrée de jeu, ça va être potion, tout de suite. Ah, on peut pas. Mais putain, j'ai fait la broche. J'ai vraiment fait le cake. Bon, guépier. Ah, non, si je fais guépier, je vais manger une domination. Ça sert à rien. Ouais, c'est pas grave, viser. Allez, stock. Ok. C'est pas grave. Hein. Moi, Flucie, là, si tu veux. Allez, raté. Allez, Clem. On va commencer par un petit combo, là. Raté. Oh le salaud quoi. Raté, putain. On lui a fait mal quand même, hein. Ok. Rosetta, allez, un petit île là sur. Voilà, très bien. Le but c'est vraiment de se gorger d'XP quoi. Il faut qu'on prenne un ou deux niveaux là comme ça. Allez, Mulan. Tu me fais une petite potion sur Clem là. Voilà, parfait. Très bien.
Allez. Fait mal, hein. Très bien, donc la prochaine commande, je n'ai pas le droit d'attaquer, hein. Sauf si évidemment il aura l'immunité. Ce qu'il va faire, à mon avis, hein. Même pas. Allez, j'ai pas le droit d'attaquer. Par contre, j'ai le droit de le mettre en combo, j'ai le droit, ça. Hein? Sur lui, là. Je peux. Oh, les dégâts qu'il met, quoi. Allez. 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 Oh là 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 là. Monstrueux, quoi. Vraiment monstrueux, hein. Il n'y a plus de mage blanc. Pareil, hein. Un petit heal, là, sur Clem, là. Il n'y a pas de... Hein, ça mange pas de pain, ça. Hein. Petit bug. Voilà, c'est très bien, là. Parfait. Parfait. Allez. Oh non, je ne peux plus utiliser d'attaque physique avec avec ma mage rouge, c'est dommage, franchement c'est dommage. Énorme, je maltraite mes unités, hein, franchement. Allez, une petite potion sur Clément. Alors au passage, je... Voilà, parce que je vois Link là dans la liste des followers. Si le tryharding, les jeux Die and Retry, ça vous intéresse, allez voir ce que fait Link, parce que franchement, c'est... C'est un hardcore gamer, quoi. Il adore les jeux de Die and Retry. Moi, c'est pas mon truc, mais lui, vraiment, je sais qu'il aime ça. Hein, donc, ça, voilà. Si vous aimez ce genre de jeu, allez-y. Hein, allez-y, franchement. Alors, encore, hein. Allez, visez-lui les jambes. Raté. Là, faut vraiment que je lui mette des objets sur Adeline, parce que là, franchement, c'est pas super. De toute façon, ce que tu vas faire, toi. Hein. J'ai contre au coup, mec, hein, ça sert strictement à rien de faire ça. Hein. Voilà, à part te manger des mandales, c'est tout ce que tu vas, gagner dans l'affaire. Ouais, tu continues à faire tes premiers soins, Clem, là, y a pas de. Hein, faut pas s'énerver. Voilà, très bien. C'est propre, ça. Encore une potion, hein, sur Clément. On demande rien de plus. Hein. Parfait. Allez, fais-nous un petit ouragan. Bien ça. Allez, ça y est, la sentinelle, elle est pas contente. Rosetta, hein, tu peux continuer à faire ton soin.
Allez, c'est ça, va faire un tour dans l'eau, ça va te calmer. Il y a là vraiment des comportements bizarres des fois. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire le roi? Lui, il va se barrer, il va faire premier soin. Lui. Voilà. Casse-toi, t'as raison. Voilà. T'es content. T'es content. Voilà. Très bien. Mulan. Toujours pareil, hein. Pas de changement. Ok. Allez, tu me lâches. Ah. Elle se noyait, quoi. Blablabla. Premier soin. Il est pas pressé, hein. Là, je vous l'ai dit, hein, ça va être du farming. Hein. Et là, pour un let's play, voire deux, on va farmer. On va pas s'énerver, hein. Ça sert à rien, parce que de toute façon, on va arriver à la quête principale, on va se faire charcuter, hein, donc je préfère y aller tranquillement. Voilà, au moins ça se passera bien, il n'y aura pas de problème. Allez, prends ton niveau up. Parfait, merci Rosetta. Fait plaisir. Mula aussi, il va prendre son petit level. Très bien. C'est bon ça. Putain, il s'en va quoi. Il s'en va le coquin quoi. Il sent sa mort imminente. On va l'achever, hein. Allez, terminé. Direction la forêt de Salika maintenant. Super! Ah. Yakiyu! Bien joué, Hardy. Il a vraiment le pied marin. Hein. Parfait, ça. Un signe de plume, c'est pour nous. Ah. Je sais jamais quoi virer, quoi. C'est. Adamantite, on en a deux. Peut-être que. Qui c'est qui veut venir? Non. C'est non. Désolé, mais non. Bien joué, Théodoric. Cool. C'est cool, ça. Merci, mec. Alors, Théodoric, puisqu'il est là. Juste le bouclier son, je regarde ce que ça fait. Ouais, il a rien d'exceptionnel. Il avait raison, Ghetto. C'est pas. Il y a vraiment rien d'exceptionnel. Ok. À Théodoric, on va le faire passer évêque. Alors, les évêques. Moi, je trouve ça pas mal comme unité. Après, c'est un style, hein, mais. Moi, je trouve ça pas mal. En fait, ce sont des unités magiques. C'est-à-dire qu'elles sont capables de d'utiliser de la magie, mais. Voilà, il n'y a rien de. Enfin, si c'est bien, mais.
C'est de la magie moyenne, quoi. C'est pas de la. Ils sont pas hyper puissants, quoi. Ça, on va lui mettre une petite bague magique parce que c'est un peu faiblard quand même. Allez, une coiffe de mage. Alors, raison. Peut-être. Voilà, ça, c'est bien. Comme ça, il pourra faire booster. Voilà, évêque, c'est cool quand même, comme unité. C'est pas useless. C'est pas useless. Surtout que ça ira très bien avec notre templier. Alors, état, magie de couleur, volée. M'arrange pas ça. Mais de toute façon, on a une carte hein, pour la magie de couleur, donc à la limite, on s'en fiche. C'est pas grave ici. Allez, c'est quoi? C'est les marées de machin qui sont en guerre. Ok, je le note. Marée. Uladon. Allez, forêt de Salika. Bon, Glem, il vient avec nous. Théodoric, tu vas venir avec nous. Madeline aussi, comme ça tu vas prendre ton level up. Et Soa là, tiens. Alors, le truc, c'est que ça va manquer un peu de. Peut-être pas Soa là. On va prendre Rosetta. Et Rosetta, au lieu de lui mettre invocation, on va lui mettre de la magie blanche. Voilà. Comme ça, pourra soigner. Parce que la fée là-bas, au fond, je le sens pas. Hein. Vraiment, je le sens pas. Hardy, on va lui mettre une autre épée. On va lui mettre celle-ci là. Là, comme ça, Clem, on va lui équiper. Non, c'est pas elle, c'est pas ça que je voulais faire. Clem, on va lui équiper la lame là. C'est là. Voilà. Allez. 2, 3, 4. Et Madeline, on va lui mettre objet. Magie rouge. Ah oui, elle peut soigner, c'est vrai. Encore mieux. Allez. Allez, on va essayer de faire en sorte que ce soit un peu rapide. Parce que. Je peux pas stream trop longtemps non plus. Allez, elle va faire sacré là. Je sais pas quoi, même pas. Pff, putain. Oh, j'ai fait le cake. Putain, c'est dommage. D'accord, je sais pas pourquoi c'était en. Ah, parce que peut-être parce que j'étais en train d'apprendre quelque chose, je sais pas. Allez, perfore. Tape pas fort, hein, mais c'est pas très grave. Voilà, prends son niveau, ouais, parfait. Merci, Madeleine. Kiyun. Ça là, ça me gaffe ça. Ça m'énerve ça. Allez, ça dégage. Ok. Oh putain la vache. Oh putain la vache. Monstrueux, hein. Vraiment monstrueux. Hein. Allez, un petit heal sur Clem. Histoire de prendre de l'XP. Très bien. Allez, ramène-toi, toi. Ça m'évitera de venir te chercher. Voilà. Très bien.
Normalement, il est censé prendre un level comme ça. Ah, c'est pas de soins de fou, mais bon. Hein, c'est normal, hein, c'est un vanga, hein, c'est pas trop ce qu'on lui demande, mais au moins il saura le faire. C'est bien d'avoir des unités un peu variées comme ça. Allez, ramène-toi, toi. Ramène-toi. Allez, on va la planter. Allez. Coup de rapière. Très bien. C'est ça, fais-toi Mistral. Ah, t'es contente. C'est soigné à 12, quoi. Waouh. C'est trop bien joué, quoi. Elle va le dégager tout de suite, hein. Ça, je veux pas les voir, hein. Allez, allez, ramasse tes dents. Ramasse tes dents. Très bien. C'est ça, attaque-moi. Attaque-moi, t'as raison. Tu vas te manger une domination, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Aïe, regardez ça, regardez ça. Raté. Ouf. Dommage. Il a failli se manger la droite de sa vie, quoi. Allez, tu nous fais un petit. Mais ce qui est bien aussi avec Tedorix, c'est qu'il va pouvoir, il peut booster aussi, hein, donc c'est sympa. Il peut booster et c'est pas de la magie du temps, donc on peut quand même contourner la loi. Il y a de quoi faire. Hein. Hop, allez, un petit, toujours sur Clem, hein, pas de problème. Voilà. Allez, tu me la transperces, hein. Y a pas beaucoup de chance, mais raté. Ah, c'est pas grave. Hein. Elle va rester là un petit moment. Hein. Raté, ça, hein, c'est tout à fait normal. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Ok. Allez. Voilà, terminé. Il n'y en a plus. Merci pour le JP, Jean-Pierre. Ça fait plaisir. J'aimerais bien qu'il se booste. Comme ça, il va pouvoir prendre un peu plus d'XP beaucoup plus rapidement. Ça tombe bien, il est en retard. Très bien ça. Si elle le touche, c'est vraiment. Ouais, elle touche. Allez, putain. D'accord, terminé. Après, voilà, c'est pas des combats très difficiles, hein, mais bon. Il faut les faire, quoi. Il faut les faire parce que. Vraiment, on en a besoin. On peut pas continuer l'aventure comme ça. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'il a réussi? Bien joué, Gelato. Bravo, mec. Bravo. Franchement, bravo. Nickel. C'est nickel, ça. Lidenbok. Non. C'est non. Ok. Juste je vais faire un tour pour voir si je peux pas relancer des petites quêtes. On va faire tourner un petit peu, là j'ai encore un tout petit peu de temps.
Bien joué, Dater. Franchement, merci, mec. Tu fais plaisir. Combo bleu. Parfait. Il a appris son combo. Nickel. Alors, ouais, ça, on le garde, hein. On le garde à la place de... Preuve de la Chocobo, là. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose, ça. Qui c'est qui veut venir? C'est non. Genre... Non! Oh, bah... J'ai fait le cake. Bien joué, Typhon. Bravo. Fait plaisir. Technique, j'en veux pas. Non. Va-t'en. Il est où? Il est où le moine là? Dégage. Il va m'insulter là, je le sens. Je me bats. Je me bats pour vous. D'accord. Je me bats pour vous et c'est comme ça que vous me remerciez en fait. Désolé, hein, mais. C'est non. Non. Barre. Alors, est-ce qu'il y a des rumeurs? C'est jamais, hein. Il n'y en a pas. D'accord. Est-ce qu'il y a des missions, quoi? Est-ce que tu me proposes? Natation. Tiens. Compétition de natation aura lieu au palais. Qui sera le grand vainqueur? Attention, de nouvelles lois seront appliquées. Tiens. Natation FTA, hein. Putain, je fais vraiment le... Mais je m'en bon fous, hein, franchement, c'est pas grave. Tactical Advance. C'est quoi ça, la coiffe machin? Ouais. Ok. Je sais plus, je sais pas du tout ce que ça fait. Hein. Ok, ce qu'il faut faire, je m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Ok, c'est pas grave. Ouais, dans le doute, on va quand même la prendre. Hein. Ok. Alliage creusite. On l'a pas. On peut pas la faire. Dans les bois. Une meute de panthères s'est installée dans la forêt sud. Vous pouvez pas les déloger. Cure de panthère. 5 jours, allez, on va envoyer quelqu'un. Je sais pas qui, mais peut-être quelqu'un qui est en train d'apprendre. Voilà, Gelato, il est chaud, ça tombe bien. Allez, t'y vas, mec. Bon courage. Garde de coton. Ah, le coton magique, on en a besoin de ça. Hein. On en avait besoin de ça, je crois. Allez, qui c'est qui va y aller? Typhon, tiens. Allez. Ok. Deux combats pour... Que dalle. D'accord. Qui c'est qui va? Mula, il a pas envie. Stans, il a pas envie. Hardy, il est chaud. Allez, Hardy, tu y vas. Le cinéma Hardy, il est particulièrement sollicité. Hein. Ok. Ah oui, non, il faut... On peut, celle-là. Les gilets volés, on les a pas encore. Okay. L'antre du ver. Un ver géant fait des trous partout en cherchant des machins. Okay. Fermier désespéré. Il en peut plus le mec. Il est désespéré. 10 jours. Qui c'est qui y va? Stance, t'as pas envie? Ah, s'il a envie, parfait. Allez, t'y vas, mec. Bon courage. Inspiration. Ah, il faut le compte, c'est vrai. L'épée brisée. L'épée brisée, ça va nous servir pour faire la reconstruction. Bah ouais, ok. Allez, un combat. Quoi, je l'ai pas le compte. Ah mais c'est vrai, j'ai pas terminé la quête encore, putain. En parlant de ça. Liste des missions. Sécheresse. 3 jours. Frisson, 3 jours. Ok, d'accord, donc on se grouille. 3 jours, c'est le temps d'aller là où, à Sprom, là. 1. Non, même pas en rêve. 2. Et 3. Bravo, Sautel. Tu fais plaisir, mec.
Allez, on le prend ça. Nickel. Franchement, nickel. Collaboration, on va le prendre ça. On va en avoir besoin. Ok. Non, j'en veux pas. Oust. Bien joué, kiff. Cool. Putain, on va pouvoir relancer des quêtes. C'est trop sympa ça. Graze Burst. Je sais pas ce que c'est. Gilles Volé. Ça, on va en avoir besoin. À la place de. Putain, tous les trucs qu'on a, c'est un truc de fou, quoi. L'œuf de chocobo, tiens, allez, putain, ça dégage. Non. Ok, l'œuf, c'est non. Bah, attends. Allez, on va relancer des quêtes par-dessus. Il faut enchaîner, là. Hein. Faut enchaîner. Non. Ah, y a que dalle. Hop. C'est où? Bien vu. Un signe de plume. Et Cro Delta. On peut la faire, celle-là, hein. On peut la faire. 15 ennemis. Bon, c'est long, hein, mais voilà, on peut la faire. Allez. Théodoric, il a pas envie. Dater, il a pas envie. Sola, il a pas envie. Kiff, il est chaud. Allez, tu y vas, mec. Bon courage. Ok. De toute façon, Kiff, on en a pas franchement besoin pour le moment, hein, donc c'est pas grave. L'arme de chat. C'est triste. On l'a pas. Ok. Évasion de Co. Il faut quoi? Le compte. Alors... Ou l'épée courbée. Ou l'épée brisée. C'est l'épée brisée dont on a besoin hein, pour faire la reconstruction. Donc okay, ça c'est oui. C'est oui. Ok. Alors qui c'est qui y va? Madeline elle a pas envie. Soit là il a pas envie. Dater il a pas envie. Théodoric il a pas envie. Mula il a pas envie. Sautel il est chaud. Rosetta elle a pas envie. Allez ben Sautel tu y vas mec. Bon courage mec. Un combat. D'accord. Mitrine Mania. Ouais, allez, pourquoi pas. Qu'emportes-tu? Renforce élément feu. Ouais, ok. Et. Ah putain, c'est fort ça. Allez, on le prend. Ok. Non, j'ai fait de la merde. Ok. Et voilà. J'ai failli refaire la connerie. Hein. Gros tubo là. 7 ennemis. Qui c'est qui va y aller? Rosetta l'a pas envie, Mula non plus, Madeline non plus, Soala non plus, Dater non plus, Théodoric non plus. D'accord, personne n'a envie de le faire. D'accord, ben je force personne. Hein. Allez, formation. Il nous reste plus beaucoup de gadgets là. Dater c'est bon, il a fait son petit tour de... Hein, voilà. Allez. Il va redevenir paladin. Le casque diamant, c'est très résistant. On va lui mettre aussi... La Maximilienne qui est très 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 forte. On va lui mettre Excalibur. Les bottes évidemment. Et pas notre truc là les gens. Ouais voilà parfait. Magie blanche il est bien comme ça. Très bien Dater. Parfait. Sacré Fury Katana. Il se casse quoi. Dans les bois. Parfait Gelato. Tu fais plaisir. Putain, la Madu, on l'a maintenant quoi. Cure Panthère. Ouais. À la place de. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien quoi. Franchement, je n'en sais rien du tout. L'œuf chocobo là. Hop. Allez. Non. Bien essayé, mais non. Fury Katana aptitude, ça me plaît un peu plus ça. Eh coucou ghetto ouais. Alors franchement mec t'as pas de bol hein, parce que j'ai du mitril mais ça coûte 10 000. Pff, ouais si tu veux. T'as pas de bol parce que là j'arrive pile poil à la fin. Hein. Mais toi qui voulais du farm, on en a fait un tout petit peu. Mais c'est pas énormissime. Mais par contre niveau quête ça balance hein, et au prochain let's play il y en aura aussi du farming. Hein. Une petite réorganisation aussi du
On est en train vraiment de préparer le late game là. Alors le mithril à la place de. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Dev Chocobo, tiens. Hop, ça dégage. Rumeur. Rien du tout, mission. Le garnement, il faut le débusquer. Ça, on l'a pas. Brouillard, c'est débuscalier, d'accord. 20 jours. Allez, qu'est-ce qui veut y aller là? Jartou, il a pas envie. Théodoric, il est chaud. Dater, il est chaud. Soit là, il est motivé. Bah, soit là, tu y vas. Hop. 20 jours, c'est parti. Bah voilà, hein, ça ressemble à quelque chose là, c'est cool. On est en train d'en dégager des quêtes là. C'est bien. C'est bien. Eh ben, il y a quelqu'un qui peut y aller là. Les Gilles volés, on les a. On vient de les récupérer. Rosetta, elle a envie. Mula, il a pas envie. Madeline, elle a envie. Dater, il est chaud. Théodoric, il est pas chaud. Gelarto, il est pas chaud. Allez, Madeline, tu y vas. Et du coup, on va pouvoir récupérer. Alors, j'espère qu'on va pouvoir récupérer l'aile de fée pour pouvoir terminer cette quête là. Ça sera cool. Et finalement, ça sera. Hein, ça, voilà, ça sera bien nettoyé. Ça sera bien nettoyé. Et après, prochain let's play, on fera du farming. Les amis, on fera du farming parce que franchement, là, on a besoin de prendre peut-être 3 ou 4 niveaux hein, sur. Donc, hein, on va réfléchir à ce qu'on peut faire. Bon, j'espère que ce let's play vous a plu. Il n'était pas. C'était pas hyper actif, mais. Finalement, c'est un travail de fond hein, qu'on a fait, donc ça va être payant. Ça va être payant. Voilà. J'espère que ce let's play vous plaît. J'espère que ça continue à vous plaire. Hein, je sais que bon, je fais traîner un peu les choses parce que c'est bon, c'est la fin du jeu et que voilà, que j'aime pas partir comme ça parce que je me suis fait avoir pratiquement en milieu de partie là, parce que j'ai voulu aller trop vite. Et finalement, je l'ai payé quoi. Donc 44 heures de jeu pratiquement. Ok. Après, on n'est pas, il reste encore une ou deux quêtes hein, avant la fin du jeu, mais voilà, je préfère vraiment y aller tranquillement parce que voilà, ça serait vraiment dommage. Quoi. Voilà. Et pour le contenu post-game, je le ferai une fois que j'aurai terminé le hard mode de Tactical Advance, comme ça. Parce que si je fais le post-game maintenant, voilà, comme ça, il y aura un peu d'enjeu. Il y aura un peu d'enjeu pour quand je ferai le hard mode en Tactical Advance, voilà, ça sera. Plus, je trouve que c'est plus logique de faire ça comme ça plutôt que de terminer comme ça, bref. Allez, alors Ghetto, désolé hein, mais c'est parce que j'ai streamé super tôt, mais parce que ce matin j'avais un peu de temps, donc voilà. Et je vous dis à bientôt, et puis prenez soin de vous, à bientôt.